Cocorico ! Eh bien oui, Cocorico, puisque hier, la France a gagné grâce à Samuel Dumoulin. Et aujourd'hui, une étape très particulière qui, vous allez le voir, a un petit peu paniqué nos amis. Allez, un petit dernier pour la route ! Cocorico ! Monsieur Barto ? Oui, mucho. On est à Cholet, mais on va où ? Pas Cholet, Cholet, mucho. Cholet, regarde, c'est ici. On est à Cholet, mais regardez, mais ici, il y a les sucres. Ici, il y a la vie, il y a tout. Les dapes aujourd'hui, va te reposer, mucho. Mais je comprends pas, monsieur. C'est moi qui suis bête. Il y a un problème dans cette étape. Cholet, Cholet. Au fait, Thierry, c'est pas très fair-play ce que t'as fait hier. L'autostop, enfin. Ouais. Et aujourd'hui, pour le contre-la-montre, j'ai encore mieux. Qu'est-ce que tu nous as encore inventé ? Je vais trafiquer tous les chronomètres. Non, mais vraiment, ça tourne pas rond là-dedans. Hein. Excusez-moi, on est où ? On est à Cholet ? On est à Cholet, aujourd'hui mais, c'est pas compliqué. Mais on arrive où ? Par Cholet, tu reviens à Cholet. On est là ? Ouais. On est là. On va où ? Bonjour. Est-ce que vous avez une montre ? Oui. Montrez-moi ça. Voilà. Parce que, hein, il faut que je batte les autres, donc il faut que j'avance votre montre. Vous êtes... Pourquoi faire ? Pour gagner le contre-la-montre. Ah, ben oui. Ah, merci, hein. C'est un petit, bon, petit rigolo qui avait son vitesse. Et puis à un moment, on fait demi-tour. Ouais, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Parce qu'on est à Cholet. Quelqu'un a une montre ? Ah non. Quelqu'un a une montre ? Bonjour, madame, vous avez une montre ? Ouais, elle est pour moi. Oui, pas très bien. Parce que moi, je suis contre la montre. Ah, bien joué. Samuel, félicitations pour hier. Mais j'aimerais bien que tu viennes dans notre équipe. Parce que je sais que tu es en fin de contrat. Et en plus, regarde, j'aimerais bien que tu viennes chez Vittel. C'est les mêmes couleurs. Ouais, mais ça a l'air d'être des costauds, tes gars. Je sais pas si j'ai le niveau. Hein. Écoute, je te laisse quelques jours pour réfléchir. Ouais. Mais vraiment, vraiment, ça me ferait plaisir que tu viennes. Ouais, d'accord, je vais voir si j'ai le niveau. Ouais. Je pense qu'avec la victoire d'hier, t'as ta place. Ouais, merci alors, c'est sympa de me faire confiance. Et voici le dernier chronomètre, celui de l'arrivée. Nous allons le dérégler. 1, 2, 3. Et voilà, je rajoute 3 heures, c'est-à-dire qu'ils vont faire les 29 km 500 en 3 heures. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont lents, mais qu'est-ce qu'ils sont lents, ces cyclistes! C'est incroyable, ils n'avancent pas. Bah oui, on est à Cholet. Oh, on fait sur place. Une 14 au 18e kilomètre. Bien reçu, merci. Regardez les gars comment ils se relancent. Faux plat descendant. On va faire deux coups de klaxon. Premier coup de klaxon, 17 dents. Deuxième coup de klaxon, on descend sur le 14. On reprend le vent favorable. Chut, grand plateau. Un plateau, je répare, mais c'est vrai. T'écoutes ce que je te dis, Mucho, tu te fous de moi ou quoi? T'écoutes un peu. Grand plateau, toi, je vais t'en faire, tu penses qu'à bouffer, toi. Oh la tête. J'ai compris, Cholet, Cholet. C'est vrai, pourquoi partir quand on doit revenir? On est bien, non? Ouais, on est pas mal, hein. C'est vrai. On est mieux que bien. De retour en direct du village, où nous allons aujourd'hui nous intéresser au petit métier du tour, avec Adèle, qui est donc barmaid. Alors, en quoi consiste votre travail? Ben, je distribue de l'eau à tous nos invités du village départ. Ben justement, est-ce que je pourrais avoir une petite... Attendez, je voudrais vous faire goûter quelque chose de, moi, de chez moi, de mon pays. Ouais. Ben, c'est un petit peu fort, hein. Non, mais vous êtes mignon, mais pas du tout, là. Hop, 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 fais goûter au coach, Mucho, fais goûter au coach. À demain. Infirmerie. Ah, oh bah c'est malin, hein. Je suis désolée. Oui, bah oui, regarde-moi ça.